Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de jouer aux devinettes un petit peu avec vous parce que l'autre jour je me promenais comme ça sur internet et j'ai vu cet objet là et je me suis dit que ce serait assez rigolo de vous faire une vidéo dessus. Mais tout d'abord je pense qu'il faudrait que vous deviniez un peu ce que c'est, donc voilà une petite devinette. Donc regardez cet objet, c'est un petit objet en métal, un petit peu incurvé un peu partout, voilà, sur les bords, c'est plié en deux, on sait pas trop pourquoi, et en dessous, bah, y a comme un patin noir. Voilà, donc c'est parti. Donc à partir de tout de suite, vous avez exactement 30 secondes pour me mettre en commentaire ce que c'est, selon vous. Alors je vous aide, ce n'est pas un décapsuleur pour la bière. Ça pourrait, je pense que ça pourrait, mais ce n'est pas ça. Voilà. C'est stressant, hein, hein. C'est stressant ce petit tic-tac, je suis désolée. Allez, c'est bientôt fini, il ne nous reste plus que 5 secondes. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est fini. Alors, voilà pour la réponse. Il s'agit en fait d'un petit objet qui va vous permettre d'appliquer votre vernis sans en mettre sur la peau qui est au bout de l'ongle lorsqu'on a les ongles courts. Et vous allez me dire... Mais Lucille, ça sert à rien, t'as les ongles longs, pourquoi t'as acheté ça? Eh bien, aujourd'hui, j'ai une petite main invitée qui va venir et c'est ma copine Claire qui m'a prêté ses ongles courts pour l'occasion. Donc, bonjour Claire et merci d'être gentille avec ma copine, voilà, puisqu'elle a eu la gentillesse de me prêter ses ongles. Donc sous vos yeux ébahis, on va tester ce produit. Donc en fait, ça s'enfile comme ça au bout de l'ongle. Et en fait, la bordure de métal va cacher la petite peau qui dépasse de l'ongle. Alors si vous avez les ongles courts, vous savez. Vous savez que c'est compliqué de se mettre du vernis sans en mettre sur la peau au bout. Et bien cet objet sert tout simplement à ça. Donc vous voyez, quand j'applique le vernis, j'en mets sur l'objet. Et bien tout ce qui se dépose sur le métal, c'est tout ce qui ne se dépose pas sur la peau et tout ce qui aura pas besoin de nettoyer après. Voilà, comme vous voyez, c'est un petit peu crapouillot et Claire a les mains toutes propres au bout. Magnifique! Alors là, on a utilisé la partie haute de l'objet qui sert aux mains. Mais vous voyez, la partie basse, c'est-à-dire la courbe en bas, sert, elle, pour les doigts de pied. Donc comme je suppose que vous avez aussi les ongles courts sur les pieds, ça permet de mettre son vernis rouge l'été, voilà, pour avoir une superbe pédicure sur la plage, sans s'en coller partout sur la peau au bout des doigts. Voilà, donc j'étais assez contente de vous proposer ce produit. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est utile ou pas, hein? Est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que vous y voyez une utilité? Ça me rend curieuse, moi j'ai trouvé ça assez rigolo à tester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être une prochaine découverte d'objets insolites. Bisous !